Pichu, ton magnifique ressenti sur cette matinée, il est 7h du mat. Ouais, j'ai rêvé d'un Enderman qui faisait un tapage nocturne. J'ai pas fait de tapage nocturne. J'ai fait ça pour l'art. Ah bah l'art, ouais, mon ressenti. C'est que je vais te crever les yeux, connard. Je vais maniquer ma nuit. 5h30, le mec il arrive. Il ouvre la fenêtre, il fout le bordel. Et ensuite il monte sur. Oh le timelapse, regarde, on s'en bat les couilles. On voit rien, y'a même pas de timelapse. Le soleil est déjà levé au timelapse. Mais mec, voilà. Le réveil est bien, tu vois. On est où là? Stand-by, en correspondance à Otsuki. On est à Otsuki, ok. Non, ça s'appelle Otsuki. Otsuki. On ne prononce pas le U. C'est vrai? Non. Et quand tu seras un professionnel du Japon comme nous, Kevin, tu pourras la ramener. Tu pourras la ramener. Voilà. Ah, donc, et donc du coup, nous allons ensuite prendre le Shinkansen direction Matsumoto. Il a une tête de vaisseau du futur, quoi. Ouais, c'est bien, et face à face. Oui, t'as littéralement les jambes entre celles de Kevin, mais ça rapproche quoi. Ah, ça rapproche. Hein. Et bah direction Matsumoto. On arrive quand dans... Au revoir. Bon. Non, encore. Putain. Chien. Exactement ce que j'imaginais. Une gare. Ah, un Starbucks, enfin la civilisation. Ah, vite. 水星 のガルガンティアはご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。Matsumoto, ça change un peu. C'est vachement moderne, enfin, c'est plutôt moderne. Alors, est-ce que vous savez où est l'hôtel? Pas du tout. Si. Pas du mais tout. On compte alors, complètement si vous regardez sur toi. Derrière moi. Vous devriez... Pas derrière toi, putain, mais qui est con. Oh putain, qui est con. J'ai un très mauvais sens de l'orientation. Si vous regardez derrière moi, vous devriez voir un bâtiment super marqué hôtel, super hôtel. Wow. Ce sera notre logement pour les deux prochaines nuits. Très bien. Alors, et bien nous vous suivons, cher maître. Fais la gueule, hein, quand même. Super hôtel, il a l'air d'une tristesse. Ouais. Par contre, on va se faire un KFC, parce qu'à base, c'est une tradition. Non! Si à Noël ils bouffent tous KFC, je comprends pas. Sérieux? Ouais, je te jure, c'est un putain de truc familial là-bas. Tu veux être un bon japonais, tu bouffes KFC. Ok. Je sais pas si j'ai envie d'être un vrai bon japonais. Cui cui! Cui cui! Le pio pio! Le pio pio! Ah non! Vas-y! Ah non! Tu es le pio pio! On a changé de continent, c'est pas pour regarder ça. La japonaise a traversé et est parti au courant. Belle brochette de con, hein! Magnifique! Elle traverse! Dans les Beatles! Là, on est ici pour l'instant. Après, c'est 50 minutes pour faire le tour. Ouais, minimum. Action. Faut que tu t'avances, non? Non, je sais pas. Putain, voilà. Oh, bonjour et bienvenue à Secret d'Histoire. Aujourd'hui, au château de Matsumoto. À Matsumoto. Comme vous pouvez voir, nous avons un jardin. Pour vous dire, Matsumoto, l'origine du château Matsumoto, remonte au château de Fukashi, qui a été construit au début de l'ère Eisho. Pendant la période de guerre civile, pendant cette période de troubles, le seigneur Ogasawa... Non mais c'est bon, dire. On y va. Ah, tu dois mettre des chaussures. Ah putain, c'est des chaussures? Ouais. Ça grimpe là.
D'accord, c'est là où ils jettent les pierres. Ah oui. Ah oui, Château d'Imeji, c'est plus grand. Château Blanc d'Imeji, il est... Ah ouais. Les gens s'enfoncent dans l'abysse. Kevin va vaincre ses peurs maintenant. Ça descend straight straight quoi. Par contre c'est bien, parce qu'à chaque fois qu'on doit, on s'incline à chaque fois. Bonjour, bonjour. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il s'incline tout le temps en fait. Bonjour, regarde. Bonjour. J'aurais bien voulu faire un tour dehors là, un peu sur le jardin moi perso. Ouais, ouais moi aussi. Ouais, pas le jardin. Ouais. Ouais, plutôt le jardin que le musée, tu vois. Le musée à mon avis il va fermer de toute manière. Ah, souvenir shop, je vais aller voir. Yes. J'ai un point de vue. Donc voilà, donc demain pour expliquer, il a le t-shirt numéro 3. C'est parce que c'est le troisième marathon de Matsumoto et si c'était blindé les jours d'avant, c'est à cause du marathon. Donc, il y a à peu près 1200 personnes qui courent au marathon de Matsumoto. Ce qui est une goutte d'eau par rapport au nombre de coureurs du marathon. Oui, 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 c'est le troisième, c'est pas très connu. Yeah. But his side is. Yeah, there's six. Six. Yeah. Because it's high. It. Il s'appelle comment déjà? Au courage les gars, merde, je sais plus. Fujika-san, comme ça non? Je sais pas. Un truc comme ça, Fujika. Mais il faut qu'il passe, il faut qu'il passe dans la... Ouais. Les transports, c'est encore bien des transports. Et demain, 5 heures de train. Donc là, il faut qu'on aille vers la gauche, après on monte, c'est ça? Je dirais que oui.
C'est ouf. Vas-y, allons rencontrer sa grande sœur. Aren't you ashamed of yourself? Ouais, je vais prendre ça. Je prends ça. Il y a des bonus derrière, mais je sais pas ce que c'est. L'important, c'est plutôt. Arigato! Arigato! Putain, heureusement que je t'ai dit pas où. On est bien, on y va. Aucune. Mais on y va. On y va et c'est beau. Attention aux ours. Rappelez-vous, il faut faire le mort, puis courir vite et grimper un arbre, tout en l'attaquant dans le nez avec le bras de ton collègue qui vient de se faire dévorer. Wow! Alors ça, c'est un peu flippant. Il y a une cage ouverte. Qui a l'air d'un truc dont on a laissé échapper un animal sauvage. Mais bon, a priori, il mange que des radis. Mais en tout cas, elle est méga flippante. En général, tu fais gaffe. Il faut pas être entre la mère et l'enfant. Ouais, voilà. Tu fais pas comme Kevin, là, qui croit qu'on peut faire des câlins à tout, sans se prendre un coup de tête. C'est vraiment la mère qui fait... Ah, gouzou, gouzou, gouzou! Parce que là, la maman ours, elle arrive, elle met un coup de tête à Kevin. Tu snappes le bébé ours, peut-être qu'elle ne me coursera pas. Hein. Aucun risque. J'aurais tellement voir des singes. Moi, les ours. Mais c'était quoi? Qu'est-ce que c'est? Les ours chantent ici apparemment. Ok, la forêt est envoûtée. Tu sais, les forêts magiques ici, ça m'inquiète pas trop, hein. Il y a un problème là. Quoi? Tout à l'heure, il mettait 150 mètres. Non, 1,5 il disait. Ah. L'accomplissement de tout ça, c'est qu'on va se faire manger. Et que cette phrase en anglais veut rien dire, donc on n'est pas sûr. Sonner ou pas sonner? Bah sonner! Si jamais les ours ont peur des clochettes, comme ça, on le saura. Qui a fait les clochettes? Perso, je sais pas si ça marche, mais bon, dans le doute, on... Bon, qui charge un bruit de clochette sur YouTube? Si c'est nos dernières images... Putain, mais en plus j'ai de la bouffe dans le sac, c'est pas la meilleure idée pour les ours, ça. Hein. C'est une très mauvaise idée. Et c'est moi qui ai le sac. Sache que ce sera la première chose que je lui jetterai à la gueule. Putain, cet arbre est ouf. Attendez, partez pas sans moi, les gars. En tout cas, si c'est les ours qui plantent les panneaux, ils se foutent bien de notre gueule. À moi. Quoi? Ah! Ah, putain, tu m'as fait peur. Hop. Quoi? We did it. Putain, c'est enfin. Waouh. Ok, je méritais de venir. Ça méritait de venir. Yes. Stylish. Moins que stylish que Kevin, mais quand même.
Ça va ? Ça c'est... C'est assez magique. Ça valait le coup de monter, hein. Putain. C'est ouf, hein. Nous sommes revenus. Nous revoilà. Après avoir passé le temple. 50 ans sont passés. Et une ou deux guerres mondiales, visiblement. Et il n'y a plus personne. C'est désert. Bon, c'est l'angoisse. Ça fait vraiment village abandonné, là. Ah, là, c'est... Attends. Pour la maison d'Aya Nakamura. Quoi ? Non. Voilà, ce genre de choses, tu peux éviter, on sera heureux. Alors sur l'anatomie du tanuki, alors ça c'est un soeur de gros pervers vicieux dégueulasse, et ça c'est ses couilles. Là, grosse couille. T'es sûr? Dépasse. Ah ouais, parce que ça c'est... Ça oui, c'est ça, sa bite. D'accord, ça c'est... Et ça c'est ses pieds, là. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'il a l'air satisfait. Putain, il est horrible. J'avoue qu'il hante mes cauchemars. C'est du thé au sakura. Ouais, tu vas voir, c'est spécial. Sakura thé. C'est très salé, hein. T'as raison. Assieds-toi là, assieds-toi là. Oui, j'apprécie. Dodo. Allez, gâteau, prochaine. Dodo. Ah, c'est... Soba no misen de. Allez, gâteau. Mais, dodo. Sorry. Dencha de. La course. Ah, Densha, si, Densha, Matsumoto Densha. Densha, c'est le train, c'est bon, ça je le sais. Ouais. Hein? Densha, c'est le train. Densha, c'est le train. Ok, Wagata. Ça veut dire, j'ai compris. C'était un peu la rencontre du troisième. Je sais pas si c'est possible de communiquer, mais. Alors là, ouais, je n'ai pas du tout compris ce qu'elle voulait. J'ai pas du tout compris ce qu'elle voulait. C'était gentil, mais. T'as compris pas mal de trucs déjà dans ce qu'elle disait. Ouais, je faisais aucune idée. Ouais, parce que j'étais un peu dans le. Genre, il y a des. Bon, merci le manga, quoi. Merci les animés. Ouais, merci Densho Otoko hein, pour le train. Fort, J'irai dormir près de chez vous, c'est bientôt, les gars. Ce que je viens de faire, c'est un mélange de c'est arrivé près de chez vous et c'est j'irai dormir chez vous. Du coup, j'irai dormir près de chez vous, ça fait un peu on je vais garde. Dormir chez toi et je vais te buter. J'irai dormir près de chez vous. On la garde. C'est Kevin, une fameuse. Et elle est filmée. Elle est pas mal.